Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Bienvenue au Parc des Princes. Belle affiche, match amical ultra sympa entre la France et la Belgique, 66e du nom. La France et la Belgique qui s'étaient rencontrées pour la première fois en 1904. C'était le premier match international qui figure au calendrier de l'équipe de France. L'arbitre de cette rencontre est un Britannique, Monsieur Philippe Don, et il sera assisté de Messieurs Barrett et James. Et on attend pour ce dernier match à Paris, Jean-Michel, avant l'Euro 92. Eh bien, on attend de l'équipe de France qu'elle nous prouve qu'elle est déjà pratiquement dans la ligne droite qui mène à la Suède. Et oui, ce sont les dernières mises au point, puisqu'il y a ce match contre la Belgique, il y aura un match contre la Suisse, un match contre les Pays-Bas, et puis on partira pour Stockholm, où on fera l'ouverture de l'Euro 92 avec une équipe de France. Vous avez vu, le nouveau capitaine, il s'appelle François Zé, car l'ancien Manu Amoros, et là Michel Platini n'a pas donné d'explication. Manu Amoros est tenu en réserve ainsi qu'au milieu de terrain où l'on revoit le retour de Franck Sauzé en lieu et place de Luis Fernandez, et une attaque à trois joueurs avec Veyrua, Eric Cantona et bien sûr Jean-Pierre Papin. Alors que du côté belge, c'est une équipe très brillante, en tout cas au niveau des individualités, avec des jeunes garçons comme Crasson ou comme Wallem, avec des buteurs comme Nilis De Grise et avec un meneur de jeu hors norme, l'ancien Auxerrois Enzo Schifo. Voilà, c'est parti. Donc une équipe de Belgique qui, elle, n'est pas qualifiée pour l'Euro 92, mais attention, sur le papier, c'est une équipe très brillante. Roger Laboureur, l'un des grands spécialistes du football belge, nous disait qu'il y avait fort longtemps que l'équipe belge n'avait pas recelé autant de talents. Avec Volkermans sur le côté qui s'est fait contrer, à nouveau pour lui le ballon. Les Belges qui ont donné le coup d'envoi de cette rencontre. Et qui font circuler le ballon dans ses premières secondes de jeu. Hors jeu de Marc de Grijs. Marc de Grijs qui a été élu joueur de l'année en Belgique, soulier d'or, qui a été blessé, qui relève de blessure, mais qui a pris son temps pour revenir. Il joue Anderlecht, et vous savez qu'Anderlecht est actuellement en Coupe des clubs champions. Avec une mésentente qui profite à Pascal Veyrua. Il va pouvoir effectuer son centre contré par le capitaine de l'équipe de Belgique, Georges Groen, qui joue à Parme en Italie. Tout comme Enzo Schifo, qui lui, vous le savez, est au Toro. Toro qualifié lui aussi pour les demi-finales de la Coupe UEFA. Et qui au tour prochain rencontrera ni plus ni moins que le Real de Madrid. Belle affiche, à n'en pas douter. Avant le coup, le Parc des Princes qui ne s'est pas vraiment rempli pour ce match amical entre la France et la Belgique. Ce qui semblerait donner raison à Michel Platini qui souhaiterait que pour ce genre de rencontre, eh bien, l'équipe de France aille visiter la province. Ça ne serait pas une mauvaise idée. Didier Deschamps à la récupération. Casoni. Angloma. Ah non, bien regroupé les Belges qui peuvent se dégager. Schifo, De Grijs, attention il est rapide, et Boli qui coupe bien. Bortelmans. Deux ballons et deux bons ballons déjà d'Enzo Schifo. C'est pas fini, Wallem. Avec une position de hors-jeu de Bertrand Crasson, tout jeune défenseur, à peine 20 ans, lui aussi d'Anderlecht. Anderlecht, le club phare chez nos amis belges depuis déjà de longues saisons. Palmarès tout à fait extraordinaire. Il ne manque que la Coupe d'Europe des clubs champions au Sporting Anderlechtois. Emmanuel Petit qui retrouve l'équipe de France. Et qui retrouve là un poste d'arrière latéral qui n'est pas le sien habituellement à Monaco. Vous savez qu'il forme avec Roger Mendy
l'une des défenses centrales et l'une des charnières centrales les plus performantes. Oui, bon, bien l'appel bien. De balle de Didier Deschamps. Oui, et bon repli de la part du côté belge de Danny Boffin, encore un joueur d'Anderlecht, qui a pu jouer avec Prud'homme. Borkelmans. Intervention du capitaine français, Franck Sauzé. Qui prend le flanc droit de la défense un petit peu comme l'avait fait Jean-Philippe Durand. La touche pour Chiffaut, joué rapidement, bonne intervention de Casoni. Superbe contrôle orienté de Bernard Casoni. Et deux équipes qui jouent avec des défenses placées très haut dans le terrain. Van der Elst. Voilà. Elle est contrée par Franck Sauzé, elle sera donc belge. N'oublions pas que Anderlecht est l'équipe dans laquelle est joué, évolué Paul Van Imst, mais aussi Jurjon Hellens. C'était l'équipe qui pratiquait la défense en ligne. Sorti avec Eric Cantona. Pas beaucoup de solutions pour Eric Cantona. Il a cherché Vairua, Chiffaut à la récupération. Borkelmans. Lys contré, Sauzé. Casoni. Petit. Deschamps. Perez. Sauzé. Nouveau Deschamps. Toujours brillant dans ses accélérations, oui, dans ses prises de balle. Et qui là va frapper de loin sur le but de Michel Prud'homme, tout simplement pour essayer de faire sortir un petit peu la défense à plat des Belges. Défense à plat qui gêne considérablement les appels de balle de Jean-Pierre Papin ou d'Éric Cantona. De Grijs qui est revenu loin chercher ce ballon. Croissant, mais il va être un peu court. Une balle en sortie de but pour Bruno Martini. Qui après avoir manqué le match de Wembley, retrouve donc l'équipe de France. Et Jocelyn Angloma qui joue très très haut. C'est un petit peu une surprise. Et là, il ne joue pas du tout dans son rôle de défenseur. Il joue carrément au milieu de terrain. Vairua à la lutte, ah non, il y aura un coup franc. Oh, il est gentil, monsieur Don, Philippe Don, car il me semble que Pascal Vairua s'était un petit peu fait un projeté tout seul. En tout cas, Trasson qui était à la lutte avec lui n'a absolument pas protesté. Regardez, on n'a pas l'impression que Bertrand Trasson mette sa jambe en barrage, toujours est-il. On va se précipiter au second poteau. Oui, Cantona. Ah, il a trop tardé. Un peu tardé, oui. Mais il a tellement voulu frapper dans de bonnes conditions qu'il avait réussi un superbe amorti de la poitrine. Sur ce corner au second, pardon, ce coup franc au second poteau, il fait mine d'attaquer le ballon de la tête et il y a peut-être un rebond de trop. Et c'est Van der Elst, me semble-t-il, qui vient en contre. Casoni est monté, Boli aussi, sur ce premier corner de la partie, joué par Christian Perez. Court cette fois-ci. Sur un stade qu'il connaît bien. Il aura une deuxième chance, visiblement. Oui. Non, elle n'est pas sortie. Elle est sortie, mais en touche. Et bien sûr, vous aurez remarqué que l'équipe de France joue avec de nouveaux maillots. Les maillots de l'Euro 92. Récupération Sauzé. Petit. Casoni.
à la lutte avec Milis. Petit. Ah, c'est un petit peu téléphoné. Georges Grin est sorti. Boli. Albert. Borkelmans, Albert à nouveau. Michel Prudhomme, ancien gardien de but du Standard de Liège. Et depuis pratiquement 7 ans maintenant au FC Malines. Ah, il avait un bon ballon de contre, Didier Deschamps. Vanderelst a bien stoppé cette offensive. Borkelmans. Wallem, Borkelmans. Dixième minute. 0-0. Une occasion, celle qu'a eu Eric Antonin. De Grijs. Le dernier France-Belgique joué en France, Platini joué encore, c'était à Nantes pour l'Euro 84. Voilà un bon appel de balle de Papin. Papin. Il a fait faute sur Borkelmans. Il est un petit peu en retard. Van der Elst, Boffin. Brun. Il y a des positions de hors-jeu de la part des deux attaquants du Royal Sporting Club d'Anderlecht, c'est-à-dire Marc De Grijs et Luc Nihilis. Bernard Casoni qui profite d'un peu de liberté pour venir au milieu de terrain. Masson. Derrière lui, Van der Elst. Nouveau Frasson, bien pris là. Par Vairua et Petit. Angloma qui a tenté l'interception. Borkelmans sur le côté gauche. Wallem. Boffin. Ah, il a encore bondi sur Monsieur l'arbitre. Enzo Schifo à la lutte avec Deschamps. Enzo Schifo qui avec le Taureau réussit une belle saison. On vous a parlé de la Coupe d'Europe. Mais ils sont actuellement 5e. Le Torino. Mais il m'a dit Enzo Schifo qu'ils avaient une fin de championnat très difficile. Et que les 4 prochains matchs, c'était tout simplement contre le Milan AC, la Juve, Naples et donnez-moi le 4e et l'Inter de Milan. Ben c'est bien. C'est pas mal. Les Belges à leur tour qui essayent de se trouver en bonne position pour amorcer une attaque là. Mais les Français comme eux ne sortent pas trop dans ces occasions-là. Attention, Nihilis avec Wallem. Cantona. Sauzé. Deuxième chance. Papin un peu court, c'est pas fini si Cantona arrive à temps, mais c'est Enzo Schifo justement qui peut donner à Prudhomme. Borkelmans, Wallem, Van der Elst, Brun, Schifo, Wallem, c'est propre tout ça, bien fait de la part des Belges. Borkelmans, Wallem, Schifo. Et comme tous les bleus défendent, à l'exception peut-être de plus près encore demande Michel Platini, pourtant. On va trouver au milieu après quand on a le ballon. Tourne sur Franck plutôt que au milieu. Tourne sur Franck sur les côtés. Voilà, vous avez entendu les consignes de Michel Platini encore plus près du porteur du ballon. C'est-à-dire éviter que des garçons comme Enzo Schifo ou Alem ou Boffin puissent se donner
que l'on appelle la dernière passe. Et il a demandé également à Christian Pérez de tourner autour de Franck Sauzet. Là par contre, ce ballon est trop haut. C'est-à-dire de donner des solutions au capitaine de l'équipe de France. Emmanuel Petit, qui aura un mois d'avril très chargé. Oui, avec tous ses amis monégasques. Il y a bien sûr ces deux matchs de Coupe d'Europe face à Feyenoord. Mais il y a fin avril, je crois bien que c'est aux alentours du 18 avril, ouais. Lors de la 36e journée du championnat, un certain Monaco-Marseille. Chiffon, qui peut être décisif, peut-être que... Oui, j'ai bien dit le 19 avril. Georges Braun. En fait, la journée est le 18, mais à la demande de Arsène Wenger, le match aura lieu le dimanche, surtout s'il est décisif. Et si le match n'était pas décisif, ce Monaco-Marseille, eh bien il aura lieu, comme toutes les autres rencontres de championnat, le 18 au soir. Voilà, c'est simple, c'est comme ça. Ça c'est une longue transversale d'une touche à l'autre et pour l'instant Bertrand Crasson qui marque vraiment à la culotte Pascal Vahirua qui ne bénéficie pas du moindre mètre. Wallem, ça joue bien du côté de Wallem. Wallem Borkelmans et on atteint le premier quart d'heure de jeu sans but, 0-0. Ici, occasion il y a eu, il n'y en a eu qu'une, et elle fut l'œuvre d'Eric Cantona. Borkelmans, Chiffo, appel de balle, poursuivi par Angloma. Un remarquable technicien, Enzo Chiffo. Sauzet, Cantona. Ah, ça c'est un super ballon, oui. Super ballon. Jean-Pierre Papin. Super ballon. Il l'a sauvé, Michel Prodhomme. Bonne sortie de Prodhomme. Mais quel super ballon d'Eric Cantona pour Jean-Pierre Papin. Et vous allez voir, il est stoppé, il est accroché. Regardez, avec l'arrêt interne, il lève ce ballon qui tourne dans le bon sens. Il l'amène et là, il est accroché un tout petit peu. Et ce ballon, il l'a un peu derrière lui, Jean-Pierre Papin. En tout cas, deuxième occasion pour l'équipe de France. Cantona à la récupération et vous contre Belge. Et vous aurez compris pourquoi Jocelyn Angloma évolue au milieu de terrain. C'est tout simplement, vous le voyez, en face Enzo Chiffo pour s'occuper du meneur de jeu belge. Car au milieu de terrain, que ce soit Franck Sauzet, Didier Deschamps, Christian Pérez, ce ne sont pas des hommes qui sont des spécialistes du marquage. Alors, pour cette tâche, Michel Platini a détaché Jocelyn Angloma. Et quand vous verrez Enzo Chiffo, pas loin de lui, vous verrez Jocelyn Angloma. Deschamps remontait le ballon, relais avec Papin, Sauzet. Encore en direction de Jean-Pierre Papin, la tête de Van der Elst, Wallem. Il l'a pris de la main, oui, Jocelyn Angloma. Et le coup franc va donc permettre à l'équipe belge de se dégager, mais le ballon tournait, donc il faudra le rejouer. Le Wallem, avec son numéro 6, lui aussi comme Bertrand Crasson, à peine 20 ans, équipe d'avenir pour la Belgique. Oui, et notre ami Roger Laboureur nous disait tout à l'heure tout le bien qu'il pensait de ce Wallem. Grand, grand espoir du football belge. Pérez, bien joué, Cantona. Papin. Oh, que ah, c'est bien joué. Fait. Cette série de 1-2, il l'a redressé. Vahirua. Comme elle vient. Oui, oh, c'est bien fait. Bien joué, Jocelyn Angloma. Je serais un tout petit peu moins indulgent que vous, Thierry, parce que... Ah, c'était difficile, hein.
Ah oui, mais la balle venait bien et surtout Jocelyn n'avait personne sur lui. C'est sûr que... Regardez cette belle occasion. Après une série de 1-2, il redresse cette balle. Pascal Vaillirua va à la lutte. Elle revient. Il a quand même le temps. Et si on peut reprendre le geste de Jocelyn Angloma et l'analyser, on verra pourquoi ce ballon est parti largement au-dessus de la transversale de Michel Prodhomme. Ramené par les petits ramasseurs de balles qui sont des jeunes arbitres de foot à 7, des moins de 15 ans. De la Ligue de Paris. Oui, de la Ligue de Paris, cher à notre ami Jean Verbeek, le président. Sauzé, Joly, Casoni, Petit, Deschamps, laisse filer pour Cantona. Un petit peu surpris là, Jocelyn Angloma sorti de Sauzé et bon, sur la ligne des 22 sur la ligne des 22 Jean-Pierre Papin a été hors jeu. Borkelmans, Landerel à nouveau, Borkelmans, appel de balle de Boffin. Lili, c'est tout seul, il faut sortir. Pas de risque pour Bruno Martini. À deux mains. Et en trois coups de tête, le ballon est arrivé sur Borkelmans. Ah, c'est bien joué. Et à nouveau revenu Didier Deschamps à la lutte avec Borkelmans. Pressing français, faute de Bowen. Wallem. Johan Wallem. Il était à peine titulaire en début de saison. Anderlecht, il est bien sûr maintenant dans son club et il est également en sélection. Petit. Vaillirua. Ah, il s'en va. Bertrand Crasson. Dans la lutte, dans les duels. Petit. Ah, Chiffaut est venu se mêler à cette lutte. Il se connaissait bien de Chiffaut et Pascal Vaillirua. Il a failli passer, mais il s'est heurté à Angloma. Alors, puisqu'il y a un tout petit peu de calme, on va voir un petit peu cette frappe de Jocelyn Angloma. Et vous allez voir, c'est bien sûr plus facile à dire qu'à faire, mais regardez. Il frappe sa balle de bas en haut, alors que dans ces cas-là, eh bien, vous, jeune footballeur, et vous, moins jeune, le ballon, il faut le frapper d'arrière en avant. Et si on le frappe de bas en haut, eh bien, il va vers le haut, c'est normal. C'est logique. C'est de la physique pure et simple. Papin avec Cantona. Ah, il y a Angloma qui s'est engouffré, mais c'est un peu court, ce sera un corner quand même, avec concédé par Crasson. Couverture latérale de Bertrand Crasson, qui avait bien couvert, qui a moins bien passé ce ballon à Michel Prodhomme. Ah, ça va être plus dur pour Jocelyn Angloma, un match au milieu de terrain. À nouveau Vaillirua là-bas pour tirer le corner. Le premier c'était Pérez, le deuxième c'est Vaillirua. Il n'y aura personne, il est trop long, beaucoup trop long. Chiffaut. Avec Wallem, Chiffaut à nouveau, Grun. Contré. Deschamps. Ah oui, un petit peu tardé. Les Belges qui repartent, Chiffaut, intervention de Boly. Puis de Sauzé, derrière c'est pour Casoni. Petit sur le côté gauche. Et il a vu un coup de coude, monsieur Philippe Don. Ouais, il a vu surtout Pascal Vaillirua se saisir de la culotte et du short de Bertrand Crasson. Attention au marquage, il y avait un bon jaillissement de Bernard Casoni. Petit qui a donné à Cantona. Comment peut-il s'en sortir là, Eric Cantona, en ayant un contre favorable. Beaucoup de ballons récupérés par Didier Deschamps. Avantage. Johan, il a dit, monsieur Philippe Donne.
Ça veut dire allez-y. Thérèse, Angloma, José, frappe, contré. Beau duel entre Nilis et Basile Boli. Petit, Deschamps, Sauzé pour Angloma, ça va être dur mais il l'aura. Il faut qu'il se retourne, c'est fait. Il faut qu'il la mette à rentrer, c'est fait. Papin. Ah non, ça sera pour Van der Elst, le libéro belge. Et relance vers Borkelmans. Faux, bien joué. Mais bonne vitesse, bonne forme physique de l'équipe de France. L'université de Christian Pérez. Casoni. Petit. Vairua. Là, c'est face à Van der Elst qu'il se trouve. Il y aura une touche. Oui, pas de faute. Et si monsieur donne. Emmanuel Petit. Oh, que c'est mal joué, il y avait hors-jeu, il y avait hors-jeu. Et monsieur donne la vue. Oui, il y avait hors-jeu sur la touche. Tout à fait au fond, messieurs. Au fond. Au fond, Michel Prodhomme. C'est-à-dire tout près de la touche. Voilà. Oui. En fait, il l'a joué dans ses 16 mètres. Alors que l'on joue, nous, la 26e minute de ce match. Toujours 0-0. Petit, Boli. Sauzé. Santana. Vairua. Toujours face à Croissant. Et là, il a débordé. Il est plutôt repiqué à l'intérieur. Il se méfie vers Franck Croissant de la vitesse de course de Pascal Vairua. Thérèse vers le ballon. Chiffaut. Wallem. Borkelmans. Nilis. Borkelmans. Ah, c'est bien joué. Superbement fait. Nilis et Sauzé qui vient à la rescousse, qui met en touche. Et voilà, Paul Van Imst, le plus grand joueur belge de tous les temps. Super avançante. Qui a causé quelques petits malheurs à l'équipe de France. Oh oui. Oh oui. Mermans avant lui, Van Imst ensuite. Tout ça, ça a fait mal. À cette époque-là, les Belges, on ne les battait pas souvent. Cantona. Super match d'Eric Cantona. Super pour l'instant. Petit. Borkelmans. Chiffaut. Écarte bien. Wallem. Albert. De Grijs. Chiffaut. C'est bien joué, bien revenu Angloma et Deschamps. Pérez, c'est un peu long. Ça va être récupéré encore une fois. Attention à la relance, c'est Basile. C'est Albert. Nilis, attention Albert. Et but. But. Ah, but superbe sur cette remise de Nilis. Avec Albert au départ de l'action et Albert à l'arrivée. Avec au départ cette relance qui est arrivée dans les pieds d'Albert. Il s'est appuyé. Sur un coéquipier, une deux, parfait. La tête de Basile Boli. Albert récupère le ballon. Et là, on se jette beaucoup. Et il me semble que c'est Nilis qui remet le ballon. Oui, oui, c'est Nilis. Superbe remise du reste. Et là, première occasion et premier but pour les Belges. C'est du 100%. Belle efficacité.
Et 1-0 pour les Belges à la 28e minute. Sosé, Cantona, Perez. Il n'a pas sifflé, monsieur l'arbitre, là ? Ni l'un ni l'autre. Il n'avait pas sifflé sur Cantona, il n'a pas sifflé contre Perez. Sosé fait la remise en jeu. Cantona. Wallem. Sosé. Ouais, chercher Papin. Ah oui, bien joué en se retournant juste à côté. Ah oui, c'était ou le pied gauche de Papin ou le pied droit de Vahirua. Pas cadré pour l'instant les tirs du meilleur buteur français. Mais ça se rapproche de la cage de Prodhomme. Et c'est la Belgique qui mène à 1-0. Après ce but marqué par son milieu de terrain, Albert. Groen. Rasson. De Grijs. Van der Elst. Wallem. De Grijs. Bofin. Attention, pas de faute parce que c'était tout près, mais ça flotte un petit peu dans la défense française. J'ai pris un petit peu de vitesse là et ils sont bien revenus finalement. Dans l'axe, on était tout près de l'occasion pour Bofin. Sosé. Heureusement qu'il a embarqué à l'extérieur. Encore Papin dans les 16 mètres lancés. Oh, penalty. Ouais. Ah non, coup franc indirect. Coup franc indirect. Oh, c'est vrai qu'il a été bousculé. Difficile à jouer là. Oui, mais il y a une obstruction. Il empêche Papin de jouer le ballon. Coup franc indirect, c'est gentil pour les Belges. C'est rare un coup franc indirect à l'intérieur de la surface. Vous savez bien qu'il n'y a pas de coup franc direct dans la surface. Et quelquefois c'est en face du but, mais là complètement excentré. Pas facile à jouer. Hein. Ah, de toute façon, les Belges doivent être, je dirais, au minimum sur leur ligne de but. Non, mais c'est pas possible là. Ah non. Se sont gênés. La balle n'est pas sortie. Boli à la récupération. Contré. Emmanuel Petit. Un petit peu de précipitation de la part d'Eric Cantona, car je crois qu'il y avait un joueur belge qui devait être à 2m50 du ballon quand il a frappé ce coup franc. Prodhomme. Dernier quart d'heure de cette première période. Et 1-0 pour les Belges. Emmanuel Petit, Groen, Angloma, Boli, Casoni. Vahirua. Ah non. Ce sera pour Prodhomme. Qui relance du côté de Borkelmans. Wallem. Borkelmans encore. Wallem. Bien pris par Angloma. Deschamps. Perez. Vahirua. Bien ça. Oh, il a marqué le ballon un peu trop fort. Oui, il vaut mieux. Il vaut mieux. Je reste quand même perplexe sur la décision de monsieur Donne tout à l'heure, alors que là on voit Michel Prodhomme avec, comment dites-vous Thierry, les gants en peau de pêche. J'ai un petit peu emmêlé les pinceaux, oui, mais enfin, il n'y a pas eu de bobo. Il faut à la relance, Boli. Deschamps, attention, Nilis revient. Il est pratiquement le seul à rester en pointe, Luc Nilis.
qui honore sa 18e sélection aujourd'hui, Nilis, alors qu'il est le meilleur buteur d'Anderlecht. Il n'a jamais marqué le moindre but avec la sélection belge. De Grijs. Lui, il en a marqué 12. On a un peu moins de 40 sélections. Brasson. Elle ne sort pas cette balle, elle longe la ligne de touche. Elle est toujours la propriété maintenant des Français. Oui, elle était la propriété des Belges depuis un moment. Cantona. Ah oui, la voilà la balle. La voilà. Oh, il les manque jamais. Ah, cela, il ne les manque jamais, mais ce soir, il l'a manqué. Non, Luis Fernandez est de l'autre côté. Mais on aurait mis cher sur cette balle. Surtout qu'il ne l'attend plus quand elle arrive. Oui, qui passe sous le pied de Bortelmans. D'habitude, il pique ses ballons. En plus, c'est vraiment son coin. Oui. Là, légèrement décalé sur le côté droit de l'axe. Ah, il n'a pas dû en manquer beaucoup. Des occasions comme celle-là, Jean-Pierre Papin, mais comme quoi ça arrive à tout le monde. Et cela fait 4 occasions très nettes pour les Français. Une seule pour les Belges, et ce sont les Belges qui mènent au tableau d'affichage. Chiffaut, oui, faute de Cantona sur le meneur de jeu du Torino. Bortelmans. Elle est sortie de but. Oui. Il y aura sans doute des changements au repos. Cazoni. Petit. Cazoni. Là, la touche sera belge. 9 minutes avant le repos. Ah, bien joué. Par de Boffin, mais la balle est sortie. Petite aile de pigeon. José s'est fait prendre là par De Grijs. L'aile de pigeon, cher Jean-Pierre Lacoste, bien sûr. Et le ballon qui tarde un petit peu à revenir. C'était un geste de Danny Boffin. Et monsieur Donne qui en demanda l'occasion pour moi de vous dire que dimanche, si vous vous trouvez du côté de Ville-d'Avray, eh bien vous pourrez venir assister à un beau match au profit de l'équipe de Ville-d'Avray qui est en difficulté financière. C'est le club de Charles Bietri. Et le variété jouera contre Ville-d'Avray, sorti de Martigny. Roulez-boulez devant Boffin. Devant Boffin. Et la balle était déjà sortie, donc ce sera une sortie de but pour le gardien de but de la JOCR. Il fallait accompagner ce ballon. Donc à 16h dans le dimanche, Ville-d'Avray si vous êtes dans le secteur. Ah, c'est que les teams de match de Charles Bietri sont tellement importants. Oui, c'est vrai, c'est ça le problème. Il faut y faire face. Il a pratiquement ruiné le club. Donc il faut que le variété redresse cette affaire. Vairua. Brun. Chiffaut. Remarquable première mi-temps de Enzo Chiffaut qui nous revient comme il nous avait quitté, toujours aussi grand joueur. Bortelmans à la lutte avec Angloma. C'est le Marseillais qui a le dessus. À mauvaise relance, c'est dommage. Ouais, c'est sur une relance de cette sorte que l'on s'était prendre en contre. Nilis. Luc Nilis. Lui, il est pris par Petit là. Cazoni. Cantona.
Jairua, ballon qui sera belge. Borkelmans. Vital Borkelmans qui s'en sort bien. Albert, l'auteur du but de la 28e minute. Superbe garçon de 1m92, c'est Albert. Coéquipier de Michel Podhomme à Malines. Borkelmans, Chico. Vanderel, c'était pour Georges Grün. Rasson. On attend la mi-temps du côté belge. Michel Platini qui n'a pas l'air particulièrement inquiet. Il y a eu les occasions. Il y en a eu beaucoup et très nettes. Car en général, quand Papin se présente deux fois seul devant les gardiens... Oui, il y a au moins 50% de réussite. Il y a au moins un sur deux. José. Pérez. Cazoni. Angloma. Santona. Vairua. Oh, cette fois-ci penalty, oui. Cette fois-ci, faute de Bertrand Crasson. Oui, Albert pas content. Et encore un superbe ballon. De Cantona. De Cantona. Et toujours avec l'arrête interne. Regardez comme il s'applique, Eric Cantona, pour soulever son ballon. Et regardez comme il tourne dans le bon sens de façon à revenir vers le joueur. Oui, il y a un proche pied indiscutable de Bertrand Crasson. Alors Papin a sa troisième belle occasion. Et sur pénalty, l'occasion de marquer le but égalisateur pour l'équipe de France. Ah, il est imposant, Michel Prodhomme. Et il est dans le petit filet. Petit filet. Mais il fallait. Le 18e but. Ouh, vous avez remarqué comme il soufflait Jean-Pierre Papin parce que. Il n'est pas passé loin de la main et pourtant il est superbement frappé. Oui, il tape le sol avec son poing d'un rageur, Michel Prodhomme, car je suis sûr qu'elle n'est pas passée loin. C'est vrai qu'il part bien avant, mais regardez, c'est tout près de sa main droite. Il fallait la bonne frappe de balle pour que le ballon passe. Un partout donc. Alors Franck Crasson qui lui ne proteste pas, il le sait. Il regarde le ciel une fois qu'il a fait ses proches pattes. Vous estimiez Jean-Michel qui avait déjà pénalty tout à l'heure lorsque M. Donne a donné le coup franc direct à l'intérieur de 16 mètres. Visiblement la faute me semble-t-il de Grün était carrément une obstruction volontaire. Et elle méritait, en tout cas elle a empêché Papin de jouer le ballon. Cazoni, 3 minutes avant le repos, Cantona, remarquable première période de la part de l'attaquant de Leeds United. Il a été, avant d'être, il aurait pu être le finisseur, mais il a été surtout le passeur et surtout l'organisateur. Oui, bien joué, Pérez pour Vairua, centre en retrait, corner. Et il a senti Pascal, ça y est. Il a trouvé le. Ils ont trouvé, si j'ose dire, le coup, c'est-à-dire qu'il n'attend plus les ballons sur l'extérieur. Maintenant, Pascal Vairua, il les demande dans le dos de Bertrand Crasson. Vairua, un petit peu bousculé, petit Papin, détourné. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Mais comme il a pris cette volée en reculant. Chifo. En c'est tout à fait logique, je dirais même que c'est plutôt flatteur pour les Belges. Wallem. Mais petit problème en défense, Milis. Encore Milis. Non, pas cette fois-ci. Penalty. Ah oui, pareil. Il dit que Boli a commis faute, il a hésité, il a attendu avant de siffler Monsieur Donne. Mais il accorde à la 43e minute un pénalty aux Belges alors que Nilis reste au sol.
Oui. Jugez-vous. Jugez-vous-même. Jugez-vous-même. On va peut-être le repasser sous l'angle, sous le dernier angle que vous nous avez proposé. Mais je ne suis pas convaincu que la décision de M. Donne soit la bonne. Mmh. Mmh. De face, ça paraît dur. Chiffon face à Martini, ces deux-là aussi se connaissent bien. Lutte d'influence entre Papin et Chiffon. Chiffon s'élance. Oui, contre-pied parfait. Et la Belgique reprend l'avantage donc à la 44e minute. Sans l'ombre d'un doute pour Enzo Chiffon. Plat du pied ouvert. Histoire de pénalty. Et la Belgique va donc très vraisemblablement mener au repos. Malheureux Basile. Car c'est sur un de ces dégagements de la tête que Albert avait récupéré le ballon. Et c'est lui qui provoque ce que l'on peut qualifier d'un pénalty bizarre. Et but. Égalisation de Vahirua. Il y a des buts. Il y a des buts dans ce match. Et vous avez bien fait de dire que la Belgique allait sans doute mener. Et bien elle ne mènera pas. Elle ne mènera pas. Il y a eu le temps d'égaliser. Et tout le monde était focalisé sur Jean-Pierre Papin qui bénéficie là d'une passe en retrait. Donc il n'est en aucun cas hors jeu. Il tombe. Et le ballon est récupéré par le pied droit de Pascal Vahirua. Là voilà, cette passe en retrait. Et pour sa 11e sélection, l'ailier Auxerrois marque son premier but en équipe de France. Sous les yeux de Giroud et de son adjoint Dominique Cuperlu. 2-2. Ce match sentait le match où il devait y avoir des buts et il y en a. Papin qui a cherché Angloma sur le côté. Et coup de sifflet de Monsieur Philippe Donne qui indique donc que la première période est terminée. 2-2 entre la France et l'Angleterre. Un petit tour dans nos studios de la rue Cognac-Jay. Et on revient ici au Parc des Princes pour la deuxième mi-temps. Et espérons qu'elle sera aussi animée que la première. Ici le parc, à vous, nos studios de la rue Cognac-Jay. France-Belgique. Avec Mars au cœur des grands moments, Mars et M&M's, l'équipe gagnante. Retour au Parc des Princes, les deux équipes à égalité, deux buts partout. Deux pénaltys, un de chaque côté, et peut-être un pénalty qui n'a pas été sifflé, Jean-Michel. Oui, en tout cas, avec un changement, on va avoir Luis Fernandez du côté français. Il me semble aussi qu'il y a un changement du côté belge. Luis Fernandez, ce serait... On regardera tout à l'heure, Franck Sauvé. Oui, il y a Wilmots qui rentre. Bon, et oui, ce pénalty qui est non sifflé, on va revenir. C'est celui qui a été sifflé peut-être, ou pas sifflé. Attends, regardez. Grün regarde Papin, il s'interpose, il lui coupe la route. Alors là, Monsieur Donne avait deux possibilités. S'il sanctionne que l'obstruction, c'est-à-dire le fait que Grün s'interpose, glisse entre le ballon et Papin, il y a seulement coup franc indirect. Si en plus il sanctionne la charge, là il y aurait eu pénalty. Mais M. Donne n'a sanctionné que l'obstruction, donc cela se traduisait par un coup franc indirect. S'il avait sanctionné les deux, l'obstruction puis la charge, là il aurait sifflé un pénalty. Donc il n'avait pas vraiment tort, car il a sanctionné la première faute. Très bien. Explication donc avec Jean-Philippe Durand qui touche son premier ballon. Et le Jean-Philippe Durand qui est entré donc à la place d'Emmanuel Petit et Luis Fernandez à la place de Pascal Vahirua. Le flanc gauche de l'attaque française étant bien sûr maintenant occupé par Christian Pérez. Quant à Wilmots, Thierry, vous qui avez un œil perçant, des petites jumelles, vous allez me dire à la place de qui il est entré. Je vais vous dire ça tout de suite.
Je vais faire une recherche. À mon avis, il a dû rentrer à la place de Nilis. C'est bien. Non ? Gagné. Gagné. José, au contre là-bas, Fernandez. Ballon en retrait de Chicot. Profil qui se présente. Et... attention, de Grise. Ah, bonne volée. Oh, superbe. Volée couchée de Wilmots. Il a signé son entrée. Qu'est-ce que c'est bien joué. Superbement fait. Superbement joué de la part de Grise et de Wilmots. Bofin qui redresse ce ballon et De Grise qui sent qu'il n'a pas assez de force pour inquiéter Martini, qui remet dans l'axe. Elle est à moitié manquée, mais ce sont les plus difficiles pour les gardiens. Cette volée est de Wilmots qui signe de la meilleure des façons son entrée. Il s'était bien couché pour reprendre ce ballon, Marc Wilmots. Toujours est-il que la Belgique reprend l'avantage 3-2. Chicot pris par Durand, mais faute de Jean-Philippe Durand, estime monsieur l'arbitre. Philippe Donne et tout franc pour la Belgique et pour Enzo Chicot. De toute façon, préfère, dépêchons-nous. C'était en fait une faute de Christian Pérez. Cazoni, attention, Wilmots, et cette fois-ci en deux temps. Martini bien couché peut reprendre ce ballon. Il a la foudre dans les pieds. Sosé, Fernandez. Boli. Gazzoni. Pérez. Trop loin pour que Durand puisse jouer cette balle. De Grise, centré, ballon français, Fernandez, Durand, Boli, Sosé. Ah, il a talonné, c'était pour Pérez. Contre favorable, Deschamps la récupération. Wallem a fait un petit coup au passage. Sosé, Pérez, face à Borkelmans. Franck Sosé, Papin. Ah, il a été devancé par le grand Van der Elst, Eric Cantona. De Grijs. Je dirais que le comportement de la défense française n'est pas trop inquiétant, car c'est une défense très expérimentale et qui précisément évolue sans ces deux joueurs d'expérience que sont Manu Amoros et Laurent Blanc. Cela veut dire aussi que l'expérience dans les matchs internationaux, ça compte, que les spécialistes également, ça compte. Pas vraiment d'accord avec... l'arbitre, monsieur Philippe Donne, Jean-Pierre Papin. Borkelmans, ah, Michel Prodhomme. Relance de l'autre côté, Van der Elst. Interception, Christian Pérez. Un petit peu accroché par le maillot, bien vu, monsieur l'arbitre. Luis Fernandez par Johan Wallem. Ah, c'est Marc De Grijs. Pour le moment, il n'a pas marqué. Mais il a du talent. Il avait dit, il avait été stoppé par... attention, mauvaise passe. Mauvaise passe, attention. Stoppé par une vilaine blessure au mollet. C'était en début d'année. Il est passé au milieu de trois. Il avait cherché Pérez. Bonne intervention.
Cameroun est bien sorti avec ce ballon. Chifo. De Grijs. Il note sa confiance. Chifo. Il est tout seul. Heureusement qu'il a oublié. Marc De Grijs. Heureusement pour nous. Durant. C'est pas dans les habitudes de Denzo Chifo de ne pas voir la bonne solution. Fernandez, Pérez. Passons. Bofin, pardon. Albert. Borkelmans. Contrée, bien la... sûr, elle est blanche. Elle est blanche, oui. Giroud a une petite défaillance. Giroud surveille ses poulains pour les ramener le plus vite possible en Bourgogne après le match. Brun. Brasson, Chico. Ten. Bien joué. De Grijs. Wallem. À cette équipe belge, techniquement, a du talent. Bertelmann. Bofin. Interception et intervention de Bernard Casoni. Avec maintenant Jocelyn Angloma. Par Wilmot. Sauzé. Mendez. Cantona. Chifo, bien joué. Très regroupé la défense belge. Wilmot. Et toujours des appels de balles des arrières latéraux qui proposent beaucoup de solutions aux porteurs du ballon. De Grijs. Faute de Casoni. Arsène Wenger qui lui aussi est venu rechercher avec Henri Cancéry, Emmanuel Petit. Retour dans la principauté dès la fin du match. Albert, Van der Elst. Brasson. Georges Groen. Chifo. Qu'il oui mais enfin il le fait bien, on peut jouer avec le feu. Trasson. Casoni, bien joué. Sont nouveaux les maillots Adidas, sont solides aussi hein. Ah, techniquement il faut remarquer ce qui se fait de mieux. Borkelmans, il fait un bien énorme à une équipe. N'était-ce pas Popek? Albert. Borkelmans. Boli. Martini. Jean-Philippe Durand. Attention, Trasson. Oui, fausse du défenseur belge. Des coups francs pour les Français qui ont un petit peu de mal, oui, en ce début de deuxième période, c'est exact, à s'approcher du but de Michel Prodhomme. Thérèse. Comment va-t-il faire pour se retourner? Il ne se retournera pas, il obtiendra une touche.
Jean-Philippe Durand pour la remise en jeu. Faute, nouvelle faute du défenseur belge Bertrand Trasson. Deuxième sélection aujourd'hui. Corner légèrement ouvert. Il va choisir pied droit ou pied gauche. Jean-Philippe Durand, il choisit le pied droit. Ça va venir devant la cage de Michel Prodhomme. On va chercher Cantona, Pérez, Papin. Ouh là là! Bonne frappe ouais. D'Angloma et bon arrêt de Prodhomme, mais Papin s'est fait sécher. Mais bien comme il faut, monsieur, au départ de l'action, on va certainement pouvoir le revoir. Monsieur Don a laissé jouer l'avantage. Et non, on a vu surtout la passe pour Jocelyn Angloma, encore une occasion. Ça, c'est la fin. Une occasion pour l'équipe de France qui en aura eu beaucoup dans cette rencontre. Beaucoup, beaucoup de matchs ici, contrôle, intérieur, extérieur. Et il est balayé, c'est vrai. Oh là, ça pourrait être balayé, il est balayé. Et un petit clin d'œil à José Touré qui chez lui à Blois regarde ce match. José Touré qui va mieux. C'est donc Georges Grün qui a joué les faucheuses. Ah, ils étaient deux. Grün et Albert me semble-t-il. Ça fait beaucoup de poids. Annonce donc l'entrée de Versavel. Casoni, Papin. Albert. Casoni. Ah, c'est intelligent de la part d'Éric Cantona, mais il s'était trop avancé, Jean-Pierre Papin, sur ce ballon qu'il a laissé filer. Contré, Chiffaut, la touche sera pour les Belges. La conduite de balle de l'extérieur du pied de Enzo Chiffaut, c'est une peu merveille et voilà, Dauphine. Dany Dauphine. Bruno Versavel qui remplace Boffin. Vous êtes deux, parlez-vous. Trasson, Casoni, Deschamps. Toujours beaucoup d'intelligence de jeu chez Enzo Chiffaut. Vanderel, Bowen, Albert, demande ce qui s'est fait contrer. Rien du tout, dit monsieur l'arbitre, sur Luis Fernandez qui reste au sol. Et Chiffaut qui met le ballon en touche, ayant vu le canois au sol. Interprétation assez large des règles de jeu de la part de monsieur Don. Cette intervention d'Albert sur Luis Fernandez, on a vu Anne-Marie Amoros. On a vu aussi donc compter une sélection de plus. Brune, Rassin. Villemotz, Chiffaut, la main, le bras, non. Et non, il était bien placé, monsieur l'arbitre, il n'a rien dit. Sauzé. Cantona. Ah, il a cherché encore à talonner, mais ça n'est pas passé. Il y avait Georges Grün qui était là. Là, c'était un centre rentrant. Pour De Grijs. Casoni.
15 minutes de jeu en deuxième période. Fernandez avec Pérez. Loma. Frappe. Ouh, quelle belle phase de jeu encore. Ah oui. Très très belle phase de jeu et superbe envolée de Michel Prodhomme qui met en corner. Allez, avec un ballon de Deschamps de Cantona. Et cette frappe enveloppée de Didier Deschamps qui peut barrer du gardien belge. Ah oui, parce qu'elle était au ras du poteau, pratiquement dans la lucarne, cette balle de Didier Deschamps. Angloma. Fernandez redresse le ballon. Chiffaut. Enfin, il va donner un bon ballon, c'est sûr. Ouais. À la tête, Bruno Martini. Et regardez qui est là pour récupérer, c'est Jean-Pierre Papin. Sorti. Un petit peu vexé les Français d'être menés au score. Franck Sauzé sort et qui devrait normalement céder son brassard de capitaine à Manu Amoros. ...78e sélection. Et il le prend, le brassard de capitaine, au passage. Loma. Il est passé. Il ne fait pas grand-chose, monsieur Donne. Il a l'habitude des rudes joutes du samedi britannique. Borkelmans. Wilmots aux prises avec Durand. La touche sera pour les Belges. Bertrand Crasson. Avec Chiffaut. C'est un petit peu frictionné, ce qui vaut ce coup franc à Chiffaut. Borkelmans de l'autre côté. Joli, Durand. Il a vu une faute, le juge de ligne, il l'a signalé. Ah, c'est bien fait, mais ça va être juste. Non, elle n'est pas sortie. C'est pas certain, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, le juge de touche doit être mieux placé que lui. Le corps de Cantona était nettement en dehors du champ de jeu. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Et le ballon, probablement, puisque le juge de touche, Mr. Barrett, l'a dit. Grasson. Cazoni. Papin. Qui retournait. Et contact sévère entre Prodhomme et Cantona. Mais les deux hommes, c'était dans le jeu, se donnent la collade. Très bon esprit. C'est vrai que... Car vous voyez, Cantona, il ne fait que regarder les ballons. Oui. Après, évidemment, là, il risque plutôt de se faire mal que de faire mal. C'est l'œil de Paul Van Nistelrooy. Fernandez. Sortie de Van der Elst. Durand. Ah, techniquement, ces Belges font une excellente impression. Van der Elst. Groen. Première attaque. Ah, il y a du champ pour Didier. Ah, il était un petit peu en bout de course parce qu'il avait dû faire un gros effort pour récupérer ce ballon. Façon, sorti pour les tricolores. Un coup d'œil au pronos.
Il reste 25 minutes à jouer dans cette deuxième période, toujours 3-2 pour la Belgique. Attention, la mésentente. Boli. Casoni. Manu Amoros. Cantona. Ah, c'est bien ce qu'il fait. Encore lui, là. Ah, quel dommage, c'était superbe. Il n'a pas pu redresser complètement la course de ce ballon. Il a manqué peu de choses pour qu'il puisse l'amener avec lui sur ce contrôle pivotant. C'est encore Van der Elst qui est arrivé. C'est un grand match, Eric Cantona ce soir. Boli. Mais là, il est en position de hors-jeu. C'est pas tout à fait revenu. De Chiffon. Amoros. Il faut dévisser. Cantona aux prises avec Grun, Borkelmans et Angloma. Quand vous voulez, monsieur Don. Il siffle pas. Ah là, la balle était au-delà de la ligne. Il laisse le jeu se dérouler. C'est vrai que ce n'est qu'un match amical. Mais là encore, on s'est battu pour obtenir la possession du ballon. La faute ascenseur de Casoni sur Wilmots. Il revient d'une position d'enjeu. Boli. Moros. Ah, ça va vite. Il n'a pas pu avoir la maîtrise de ce ballon, Luis Fernandez. Que vous pouvez en faisant 36-15 code TF1 bien vous procurer des pins et en appelant également notre nouveau numéro de téléphone, participer au jeu. Attention à cette attaque, Christian Pérez centre en retrait, Durand perd le ballon, bien regroupé les Belges. Christian Pérez, dont on aurait préféré qu'il centre sur Eric Cantona ou sur Jean-Pierre Papin plutôt que de remettre ce ballon en retrait. En tout cas, Wilmots a été encore pris en... Non, c'était Versavel. En position de hors-jeu. Cantona. Boli. Attention, parce qu'il a du champ, Versavel, là. Ah, Boli, bien revenu. Deux coureurs de 400 mètres côte à côte sur cette action. De vos gabarits. Et le dernier mot au défenseur marseillais. Faute d'Amoros sur Chiffot. Il faudrait essayer d'emballer un petit peu cette fin de rencontre. Oh, monsieur Dom, ça fait les affaires des Belges. Ouais, mais il est dû, il a montré sa montre pour faire signe qu'il décomptait un petit peu ses arrêts de jeu. Chiffot, Versavel, attention, ou encore une volée.
Oui, c'était De Grise qui était peut-être le mieux placé. Oui. Un ballon qui lui a été enlevé par son capitaine Georges Grün. Casoni. Grün. Albert. Et là. Van der Elst. Soyons clairs, pour l'instant, ce sont les Belges qui ont la maîtrise du terrain. Papin. Cette fois-ci, M. Donne a quand même sifflé. Il a sifflé. Deschamps pour tirer ce coup franc. Une nouvelle faute de Grün. Durand. Il était tendu ce centre devant le but. Récupération. Fernandez. Là, du bout du pied. Chiffon pour Chiffon. Attention, Villemotte s'est engagé. Ouais, bon jaillissement et belle sortie. Et quel Bruno Martini. Quel bon ballon encore d'Enzo Schifo. C'est difficile à prendre. Amoros. Fernandez. Amoros. Et la défense belge qui fuit bien tous les angles possibles. C'est loin. Ouais, c'est sans problème. Défense belge qui se met toujours dans les espaces pour empêcher la dernière passe. Chiffon, long ballon pour De Grise. Bien revenu Amoros. Et moins d'occasions pour l'équipe de France en deuxième période qu'en première. Deschamps. Et toujours par contre beaucoup de réalisme pour les Belges. Ouais, qui ont un petit peu tué cette deuxième mi-temps en marquant d'entrée là. Amoros. Ah oui, la tête de Perez, ce ne sera pas facile devant Bertrand Crasson. Allez, il faut que les Français restent placés haut. Faute de Villemotte sur Basile Boli. Deschamps. Durand. Beaucoup de fautes quand même. Même ici, il ne s'agit que d'un match amical. Franck qui peut amener une situation intéressante devant le but de Prodhomme. Christian Perez. La tête de Basile Boli. Au-dessus. Alors qu'on atteint presque la demi-heure de jeu. C'est bien fait, Villemotte de Grise. Récupération en Chiffon. Grasson. Chiffon. Ah, il passe vraiment dans des trous de souris. Ah oui, il est remarquable. Grand. Encore. Attention, Villemotte. Encore. Oh, monsieur Donne, là, par contre, est gentil. Oh oui, là, monsieur Donne est très gentil. N'est-ce pas monsieur Sastre, n'est-ce pas monsieur Le Graët, car il y a d'abord un barrage et puis au moment où il frappe, la jambe de Villemotte s'est complètement bloquée. Chiffon, Grün, Perez, Deschamps, Fernandez. Ah non. Incontestablement, l'équipe de France a pour l'instant un problème défensif.
Problème important, car trop souvent les attaquants belges ont été ont perforé cette défense. Deschamps, Durand. Cantona. Chiffaut. Bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'en sortir. Ah oui, c'est superbe. Vincent. Deschamps à la récupération. Qui peut bousculer. Amoros. Aïe aïe aïe, attention, ah, contre marché, Albert. Albert. Dans la fête de frappé d'Amoros. Albert. Longue transversale sans doute. Oui, ah, s'il laisse passer. Heureusement, Casoli est allé à l'interception. Elle est sortie pour les Français. Oui, elle est sortie avant. Amoros avec Boli. Bernard Casoni. À une équipe belge en devenir, jeune, talentueuse, réaliste. Christian Pérez. Ah non. Impossible, mais ils sont superbement bien regroupés en défense, les Belges. Oui. Non, ils jouent ça à merveille. Wallem, De Grijs. Et comme au milieu du terrain, ils ont cet homme-là, Enzo Schifo, à qui il est pratiquement impossible de prendre le ballon. C'est pas difficile quand ils sont ennuyés, les Belges. Ils lui donnent le ballon. Enzo Schifo fait le reste. Pérez. Ah, trop difficile de capter ce ballon. Casoni. Fernandez à nouveau. Les ententes un petit peu entre Eric Cantona et Luis Fernandez. Chiffo vers Savel. Chiffo. Kelmans qui a manqué son contrôle. Chiffo qui a reculé son numéro 10. Favori, celui qui l'a vu à la J-Auxerre. Donc il n'a plus au Torino. Et il n'a surtout pas, non, qui est tenu par Martin Vasquez. Il n'a pas voulu prendre le 8 parce que lors de son premier passage à l'Inter, ça s'était pas très bien passé. Casoni. Que les tricolores vont pouvoir revenir au score. Durand. Ah, bien joué de la part De Grijs, revenu, qui était en position d'ultime défenseur. Oui, le numéro 9, mais il peut être un superbe meneur de jeu. Deschamps. Oula. Frappe croisée, mais manquée, de Manuel Amoros. Légèrement. Manu. Il n'y a pas trop cru dans cette frappe. Il reste un peu plus de 10 minutes. Boli, Amoros, Papin sur le côté, elle est sortie. Ouais. Deschamps tente leur chance de loin maintenant les Français. Un peu trop loin, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Pas sûr que ce soit la meilleure solution. Il y avait un bon ballon qui avait été récupéré par Angloma.
Et Didier Deschamps avait tout son temps. Schmotz dépossédé du ballon. Durand. Cazoni, Cantona, allez sur le côté droit maintenant, ça va Fernandez. Passer avec Amoros. Fernandez, ah, ouh, elle n'est pas passée loin. Non, elle n'est pas passée loin. Et ça c'était un bel extérieur du pied. Des ballons comme Luis les aime. Après un crochet intérieur. Ouf. On a vu apparaître le poteau très près du ballon. Odom a été content de voir ce ballon hors de son cadre. Ah, il l'a senti, Papin. Non, jouer, dit monsieur l'arbitre, il a réclamé quelque chose, Jean-Pierre Papin. Non, il avait réclamé une main, mais de toute façon, il y avait un hors-jeu d'Éric Cantona. Oula, il est passé au travers, Bruno Martini. Il est passé tellement au travers qu'il a complètement troublé Wilmots. Il l'a un peu touché au passage. Durand. Amoros. Et les Français qui poussent un petit peu en cette fin de match. Cantona dans les 16 mètres. Stallone, personne n'est là. Sinon, Kolkerman. Boli. Où va-t-il, Basile? Il va centrer. Papin. Et oh, quel but! Oh là là! Où va-t-il, Basile? Il est allé centrer. Celui-là, il est magistral. Quel but! Oh, dans la grande série, dans la grande collection de Jean-Pierre Papin. Et où va-t-il, Basile? Il redresse le ballon vraiment in extremis. Et le Parc des Princes est debout. Oh, celui-là, il fait du bruit. Comment vous dites, Thierry? Ah, il est superbe. C'est peut-être aussi beau que celui contre l'Espagne. Voilà, Basile. Il s'en va. Là, il est à bout de course. Il redresse son ballon. Et sur la ligne des 16 mètres 50, retourné. On appellera pas ça un ciseau, mais c'est un retourné. En tout cas, c'est un exploit technique. Une papinade, un but 100% marseillais, Basile au départ, Papin à l'arrivée. Oh, quel but! Oh là là! Un but sensationnel. Ah oui, ah, il en avait manqué un ou deux en première mi-temps, mais celui-là vaut largement le déplacement. Allez, Luis Fernandez, peut-être profiter de cette euphorie. Amoros. Deschamps. En tout cas, les Français ont eu le mérite de revenir trois fois au score. Angloma. Amoros, surprise avec ce numéro 5, Vital Borkelmans. Attention à ces ballons dans les pieds d'Enzo Schifo. Schifo, contré par Luis Fernandez. Je pense qu'on va pouvoir se le mettre de côté, celui-là. Le but, vous voulez dire? Oui, bien sûr. Allez. Pas Schifo, non, le but. Pour se quitter, parce que si on doit se quitter sur une bonne note... Oui, autant se quitter sur une bonne impression. Oui, ça, c'est pas vraiment une note, c'est une symphonie, c'est tout ce que vous voulez. En tout cas, c'est un chef-d'œuvre signé Jean-Pierre Papin. Un de plus, devrions-nous dire, car avec ce diable de buteur... Il y a toujours de l'exploit dans l'air. ...3-3... Et les murmures que l'on entend actuellement, c'est toujours à la suite du but de Papin. Les spectateurs s'en sont pas encore tout à fait remis. Grain. Cazoni pour Bruno Martini.
Et avec ce score de 3 à 3 entre la France et la Belgique, on est revenu à la grande époque des France-Belgique de Colombes. Ah oui, il n'est pas passé là, mais il récupère ce ballon, Papin. Il faut se retourner, non, finalement, derrière à Casoni. Il reste 5 minutes environ dans ce match. C'est un but. Fernandez. Et le public qu'on n'avait pas beaucoup entendu s'est réveillé là. Cantona a bien joué avec Angloma. Cantona à nouveau. Ah, il a cherché à nouveau Papin, mais la balle n'est pas allée jusqu'à lui. Et maintenant, tous les Belges sont en train de défendre. Boli qui a joué avec Amoros. Luis Fernandez qui termine en bolide, mais trop loin, contre favorable. Pérez contre. Et il récupère encore la balle. Deschamps. Durand. Angloma qui est venu de loin. Oh, il l'a tenté aussi, lui, le retourner, mais il l'a mis à côté. Et il l'a tenté peut-être. Aïe, aïe, il s'est fait mal au dos. Il l'a tenté avec son pied droit. Extérieur du pied droit. Jocelyn Angloma fait un canon pour l'équipe de France. Amorti de la poitrine, il se relève un petit peu le ballon. Ah oui. Et s'il le met, on ferme les portes du parc, tout le monde rentre se coucher et on reste là-dessus. Mais il ne l'a pas mis. Et les points, ils finissent fort les Français. Amoros. Piqué. Trop fort. Et c'est vrai que dans ce match, si le score en reste là, mais voilà le dernier changement pour Marc de Grijs qui lui va sortir. Entrée de Bowen. Ils auront superbement joué le coup, les Belges, mais ils n'auront pas été malheureux parce que c'est parti du jeu. Ils ont transformé un maximum d'occasions en but. Mott pris par Deschamps, peut-être devant Van der Elst. Ah, dans ce match, il y aura peut-être eu des pénaltys ou des situations de pénaltys. Mais il y aura eu deux buts de volée, pas mal du tout. Ouais. Celui de Wilmot, c'est bien sûr celui, surtout, de Jean-Pierre Papin. Ils sont avec Chiffaut. Ouais, il a levé le pied un peu haut, Deschamps, mais l'arbitre n'a rien dit. Casoni, Papin, Versavel. Borkelmans. Ah, le contre est pour Angloma. Cantona face à Van der Elst. La touche pour les Blancs. Borkelmans. Dernière minute. Peut-être quelques petites secondes en plus si M. Philippe Donne en décide ainsi. Il a regardé son chrono. L'une des dernières attaques pour Eric Cantona et l'équipe de France. Angloma. Contré. Pas de coup de sifflet. Par cet homme-là, Van der Elst. Sec. Il doit faire mal. Il a les os bien pointus, Van der Elst. Amoros. Angloma. Il n'a pas pu se retourner. Allez, il faut essayer de partir de l'autre côté maintenant, Bernard Casoni. Casoni. Papin. La balle est toujours en jeu. Albert. Frappe et bon arrêt de Prodhomme. Frappe de Jocelyn Angloma. Voilà, on joue maintenant au-delà du temps réglementaire. Les quelques petites secondes d'arrêt de jeu que M. Don avait dit qu'il comptabiliserait. Il ne les comptabilise pas. Oh, 15 secondes, ça ne valait pas plus. Et les deux équipes, oui, il peut avoir le sourire, Michel Platini. Il avait pris des risques avec cette équipe. Elle a marqué des buts, elle en a encaissé. Le spectacle était, au rendez-vous avec des buts superbes. Celui d'abord
de Wilmots, mais celui aussi de Jean-Pierre Papin. Enzo Schifo qui échange son maillot avec Pietri Junior. Et on va sans doute se quitter sur ce point d'orgue. Sur ce point d'orgue. Au hasard. Bon match, très bon match d'Eric Cantona. Il lui a manqué que le but, celui qu'il a failli marquer en début de match. Après cet amorti, on va se quitter donc là-dessus. Le Parc des Princes. In extremis et cette reprise extraordinaire. Grâce à Jean-Pierre Papin, buteur d'exception. Buteur de génie, c'est vrai qu'il en a manqué. On va le déguster en silence. Allez. Voilà, il avait préparé son coup. Ouais. Magnifique. S'incliner. Jean-Pierre Papin qui permet donc à l'équipe de France de revenir à hauteur de la Belgique et de faire match nul. Sur le but de la partie, c'était bien le moins que l'on pouvait espérer pour les Français qui avaient eu la plupart des occasions de but. Albert, Schifo et Wilmots ont marqué pour les Belges. Papin deux fois et Vaïrua ont marqué pour les Français. Bonne fin de soirée sur TF1. Ici le Parc des Princes. À vous Paris. L'équipe de France donc le 5 juin à Lausanne plus exactement, pendant que les Pays-Bas eux en disputaient deux, l'un c'était face à